Notre nouvelle Play Les Brothers est enfin sortie. Hello les garçons. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super. Oui, on espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? On va faire une chasse aux pop-its. Dans la piscine. Exactement, dans l'ordre alphabétique, ouais. Et dans la piscine. Ils sont où les pop-its? Faut les mettre, je crois. Il faut déjà les installer. Donc c'est moi qui vais m'en occuper. Pendant que vous allez, bien sûr, garder les yeux fermés. Alors, je vous réexplique les règles de ce nouveau challenge. Pour chaque lettre de l'alphabet, il faut retrouver le ou les pop-its au fond de la piscine. Parfois, il y a deux pop-its, donc un chacun. Parfois, il n'y en a qu'un, donc ça sera une question de rapidité. Yeah. Évidemment, le but, c'est de ramener un maximum de pop-its. Et donc, s'il y a deux pop-its par lettre, est-ce qu'on peut voler celui d'autre? Si tu es le plus rapide, oui, tu peux. Absolument. Swan qui a toujours l'idée de pouvoir voler le pop-it de l'autre. Dans ce cas-là, il faudra vraiment être super rapide et ne pas se tromper. Pour certaines lettres de l'alphabet, il n'y a pas le pop-it correspondant. Du coup, j'ai triché. J'ai pris des pop-its qui avaient l'alphabet dessus et j'ai popé la lettre qui nous intéressait. Intéressant. Est-ce ça, que vous êtes prêts pour ça? Allez, on est chaud, let's go. Allez, vous vous tournez? Allez, hop. Ok, je vois les pop-its dans la piscine. Les pop-its sont là. Allez, on envoie tout. Donc les pop-its peuvent flotter, peuvent couler, tout est possible. Donc là, vraiment, il n'y a pas d'ordre. C'est mis complètement au hasard. Je vais essayer de ne pas les mettre sur la tête de Swan, par contre. Et il y en a beaucoup, du coup. Ça y est, les pop-its sont tous répartis dans la piscine. On peut ouvrir les yeux? Oui, vous pouvez ouvrir les yeux et vous pouvez venir récupérer votre masque. Ok. Oh, il y en a pas mal, hein. Commencez pas à vous spoiler. Ok. Allez. Allez, c'est parti. Allez, alors, est-ce que vous êtes équipés? Oui. C'est bon. Je mets également la GoPro en route, attention. Du coup, vous allez être filmé en haut et en bas. Are you ready? Let's go. C'est parti pour la lettre A. C'est parti. Avocat pour Swan, oui c'est bon. Allez, déjà un. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Non, un, ça commence pas par la lettre A, Néo, non? Allez, on le cherche le plus vite possible. Où est-ce qu'il est le deuxième? Il est si loin que ça? Ouais, c'est bon, tu peux revenir. Alors, bien joué. Donc avec la lettre A, il y avait effectivement l'ananas. Et pour Swan, l'avocat. C'est bon. Exactement. Nice. Chacun met son pop-it dans sa cachette. Moi c'est assez bien. Moi c'est les toilettes. Il n'y avait pas d'autres gonflables, écoutez, c'est bon. C'est ça. Est-ce que vous êtes prêts pour la lettre suivante? Allez, c'est parti, hein. Attention, on s'équipe et on repart pour la lettre B. Top, c'est parti. C'est bon, Swan en a un déjà. Allez, c'est bien, Swan. Oui, c'est bon, bien joué. Effectivement, lettre B, il y avait la baleine pour Swan et le biberon pour Néo. Et pour l'instant, vous êtes égalité, hein. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais. C'est parti pour la lettre C. Go. Bien joué, Néo. Et il y en a un deuxième. Alors, le deuxième, où est-ce qu'il peut bien être? Il est plus loin, apparemment. Je crois que je le vois là-bas au fond, non? Ah non, vous êtes passé devant. Vous l'avez raté. Vous l'avez raté, il est là, il est au fond. Je le vois. Vous l'avez raté. Alors, il est où? Oui. Bien joué, Néo. Du coup, Néo ramène les deux cette fois-ci. Néo prend l'avantage. À Swan, il va falloir te rattraper, là. Ça y est. C'est bon? Ouais. Lettre D. Allez, top, c'est parti. Du coup, je crois que Swan a déjà une idée. Oui, bien joué, Swan. Ça y est. Ah, vite. Swan, il y en a un deuxième, hein. Non, là il y a un petit piège pour le signe, c'est en anglais. Alors pour le D, je vous donne un indice, il est tout au fond de la piscine, tout là-bas au fond. Allez hop. Il est tout là-bas. Vous êtes passés à côté tous les deux, hein. Vous l'avez laissé là-bas. Bon, je vous montre, celles et ceux qui regardent la vidéo, les abonnés, il est là-bas en fait, hein. Il passe à côté, il le voit pas, mais il est là-bas. Il se dirige vers le skimmer. Voilà, je donne un gros indice. Il se dépêche d'un coup. Alors, vous l'avez trouvé ou pas? Non. C'est une blague. Eh ben oui. Mais c'est pas Godzilla, c'est un dinosaure. Ah, moi j'ai mis des dinosaures. Mais c'est Godzilla ça. Ah pardon. C'est Godzilla, hein. Oh là, je vais me faire jeter là. Ah, désolé, moi j'ai mis des pour dinosaures. Ouais, ok. Bon bah ok, maman, bah dinosaure, alors je gagne le poids. Ouais. Let's go. Désolé. Est-ce que vous êtes prêts pour la lettre E? La lettre E. C'est parti. Oh bien joué, au synchro. Incroyable. Bravo. Néo nous a trouvé l'escargot, Swan a trouvé l'éléphant, voilà. Hyper rapide, hein. Bien joué là. Allez, vous êtes prêts? Ouais. Maintenant lettre F, let's go. Allez hop.
Fun qui nous arrose. Allez Néo, dépêche-toi. Oui, flamant rose, et d'un. Il y en a un deuxième, allez, 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 allez. Il est où le deuxième? Il est où? Ouais, c'est bon, Néo l'a dit. C'est bon, bien joué. C'est bon, vous êtes prêts pour la suite? On est chaud là. Lettre G, let's go. Alors, est-ce qu'ils vont trouver? Ah, oui, la grenouille, bien joué. Il en reste un autre. Je crois qu'il est un peu plus loin. Oh là, Swan, doucement. Swan, il va nous inonder la caméra, ça va pas tarder. Alors, ah bah, vous êtes passés devant, tous les deux, tranquille. Le G, vous l'avez tranquillement raté. Voilà, il est là et il ne le voit pas pour l'instant. Donc, on va voir qui le récupère en premier. Guitare. Ah, non, c'est pas guitare. Quoi? Non, c'est pas guitare. Regarde bien, guitare, il est popé. Il y a une lettre popée sur guitare. Glace. Oui, c'est bon. C'était la glace, bien joué. Lettre H. Ok, H. Prêt? Allez, oh bah Swan il est déjà parti, hein. Il t'a pas attendu. Hein. Swan il a plongé pour la lettre H direct. Oui, hamburger c'est bien. Allez, il y en a un autre. Oui, c'est bon. Bien joué. C'est sportif, hein? Ah ouais, c'est dur. Alors pour la lettre I, c'est hyper dur. Je vous le dis tout de suite. Il n'y avait pas de pop-it qui correspondait avec la lettre I. Du coup, j'ai pris un pop-it qui n'a absolument rien à voir, qui ne commence pas du tout par la lettre I, mais qui a l'alphabet dessus. Et j'ai popé la lettre I. Bah bonne chance hein. Allez-y. C'est pas celui-là, comment? Il fait du karaté sous l'eau, hein, il met plein de coups de fil, il va se calmer hein. C'est pas ça non. Vous voulez que je vous donne un petit coup de main? Pourquoi pas. Alors c'est un pop-it vert. Je vous aide quand même hein. Oui c'est celui-là. Regarde, quelle est la lettre qui est popée c'est, dessus? C'est I. I, oui c'est bon. Swan a trouvé. Néo. Non c'était lui et fou. C'était celui-là qui était popé sur la lettre I. Bien non. Joué. C'est pas facile celui-là. Bon Néo il a changé d'instrument. Allez c'est parti. Lettre J, donc là attention, il y en a qu'un. Une seule lettre J. Seule tentative. Voilà. Allez, une seule chance, c'est parti. Non mais je le cherche en même temps que vous. Ah je l'ai trouvé. Swan il est juste à côté. C'est pas évident parce que c'est pas son nom de départ. Ju. Oui. Yes. Bien joué Ju. Du coup ça c'était la lettre J. Ouais. Maintenant la lettre K. C'est à nouveau une galère. Oh non. C'est à nouveau un pop-it alphabet avec une lettre non. Popée. Vous êtes prêts pour ça? C'est parti. Allez let's go. Léo est parti là-bas, j'ai l'impression qu'il a une idée en tête. C'est celui que t'avais trouvé tout à l'heure. K de l'autre côté. C'est K. C'est la lettre K, yes. C'est bon. Donc c'était bien ça, bien yes. Joué Léo. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit avantage quand même chez Léo, non? Ouais. C'est sympa un petit peu plus là. Ah, plus. On verra. Bon, on est à la moitié du challenge, ça ne peut encore se refaire. Vous êtes prêts pour la lettre L? Let's go. Cette fois-ci, il y a un pop-it pour chacun d'entre vous. Oula. Oh. Allez, c'est parti. Lama. Lama, oui c'est bon. Yes. Licorne, oui, bien joué. Bon, on n'arrête pas de changer, hein. Ouais, même ouais. Il a pris mes lunettes, je reprends mon masque. Quoi ça? Est-ce que vous êtes prêts pour la lettre M? On est prêts pour la lettre M. Comme maman. Allez, vous êtes prêts? Ouais. 3, 2, 1, top. Oui, bien joué, c'est Mickey. Et il y en a un deuxième. Oh là là, Swan qui nous asperge. Allez, le deuxième, il est là-bas. Alors, vous trouvez? Vous l'avez pas trouvé? Non. Il est peut-être parti dans un des skimmers, non? Ok, dans un des skimmers, du coup. Je sais pas, il me semble que je l'ai vu là tout à l'heure, non? Non, il est pas là? Vous avez vérifié l'autre skimmer? Oh, je sais! Ah! C'est quoi? Mouton! Oui, c'est bon! Yes. C'est bon, c'est ça, c'est le mouton, bien joué! C'est bon pour Mickey et c'est bon pour ce trop mignon petit mouton. Prêt pour la lettre suivante? Prêt! Allez, lettre N comme Néo. Mais il n'y avait pas de pop-it Néo, donc c'est autre chose. Go! Ah non, il y en a deux. Il y en a nuage. Deux. Il y a nuage et il y en a un deuxième. Regardez bien dans les skimmers. J'ai l'impression qu'ils partent dans les skimmers. Oh. Oh, là, c'est bon, la caméra est trempée. Ça, c'est fait. Non. Non, c'est pas nounours, non. Ah non, il est pas dans les skimmers. Bonjour. Alors, en fait, vous êtes passé devant. Voici, mais il est où? Ah bah, il est sous les pieds de l'un d'entre vous. Attends, sous les pieds carrément? Ouais, ouais, on le voit bien, pas de problème. Mais vous allez où là? Il est là, hein. Je vois un carré, je vois un tissu, un... Oh, un nœud. Ok, go. Allez, c'est parti. Qui c'est qui plonge courageusement? C'est moi. C'est Néo. Je peux pas bouger. C'est quoi ce plongeon là?
Yes! C'est quoi? T'appelles ça plonger courageusement, c'est une blague? Tu t'es laissé couler pour l'attraper! Mais c'est quoi ça en fait? C'est un nœud? Un nœud pour mettre dans les cheveux ou un nœud papillon? Voilà! Allez, du coup ça m'en fait deux! Bien joué! Oh là là! Avantage Léo! Yes! Vous êtes prêts? On est prêts! Allez, lettre suivante, la lettre O. Et là, attention, il y en a seulement un! Let's go! Ah, c'est pas celui-là? Si, c'est celui-là! C'est l'ourson. Mais il sait que t'es moi. Bien joué. Allez, c'est bon, on passe direct à la lettre P. Là, il y en a deux. C'est parti. Allez, allez, allez. Et là. Oui, pastèque, c'est bon. Allez, il y en a un autre. Allez, vite, vite, vite. Léo, il y en a encore un à prendre. Doucement. Non. Oui. Pikachu. Pikachu. Et moi, j'ai un pastèque que mange. Et moi, j'ai Pikachu qui va télétrocuter. Ah bah là, c'est égalité, c'est bien. Lettre Q, il y en a qu'un. Allez, attention, c'est parti. Oui, c'est bon. Ah non. Néo, il a même pas eu le temps de démarrer, là. Sérieux. De toi, mais de quoi il parle? Oh, la blague. C'est bon, bien joué, Swan. C'était rapide. Est-ce que vous êtes prêts, du coup, pour la lettre R? Oui. Allez, la lettre R, il y en a deux. C'est parti. Un rond. Oui, un rond. Très bien. Il y en a un deuxième. Allez. Et Léo a trouvé le raisin. Et c'est bon. Et moi, j'ai trouvé rond. Le raisin. Très bien. Bien joué. Prêt pour la lettre S? Ouais. S, il y en a deux aussi. Allez, go. Alors, alors. Ah, c'est plus loin là-bas. Oh bah alors là, le doublé. Allez, pour Néo direct. Non. Il a eu Spider-Man et Swan, le cygne en anglais. Bien joué. Alors Swan, ton prénom. Ton prénom t'as pas trouvé. Non. Lettre T. Allez, c'est parti. Le combat. Alors, où il est le deuxième? C'est pas facile le deuxième, j'avoue. Je crois que vous partez trop loin. Hein. Bon, en fait, il est là. Juste là. Je sais pas pourquoi, ils sont partis très très loin. Bon, on va les laisser faire. Hello, il est là en fait. Hein. Pourquoi partez-vous si loin? Allez, allez, allez. Le premier qui plonge pour l'attraper. Mais lequel? Ah bah, lequel, à ton avis? Vous passez devant, vous mettez les pieds dessus. Personne l'attrape. C'est quand même pas ça. Bah si, c'est quoi ça? Je, car. Tu te souviens pas, Néo? On l'a mis à côté de ta lampe. C'est les morceaux de quoi? Tetris. C'est une blague. Mais moi, j'ai pas deviné. Moi qui suis un as du gaming. Un as du gaming, sans banter. Ouais, sans banter. Je blague pas, moi, je suis un as du gaming, ok? Ouais, ça sera tout. Bon, vous êtes en train de remettre en question là tout ce que je vous fais là. Le dinosaure Godzilla, le Tetris, ça vous va pas? Non, mais le prochain challenge, vous allez vous l'organiser tout seul, hein, moi je vous le dis. Alors, lettre U, et ben, c'est le chiffre 1, tout simplement. Bien joué, Swan. Mais je sais pas pourquoi je vous ai donné la réponse. Ouais, ça va. On avait troublé avec votre histoire de Tetris, là. Bon, je vous dis plus rien. Et il y en avait qu'un. Maintenant, c'est la lettre V. Allez, c'est parti. Mais Swan est déjà parti, Néo. Hein. Lettre V. Ça y est, vous pouvez où aller? Bah ouais. Ah ouais, c'est forcément Néo parce qu'elle est là-bas. Tout au bout, il s'en souvient. Et voilà, bien joué, Néo. V, c'est la voiture. Bien joué. Bon, là, ça va être super serré. Il ne reste pas beaucoup de lettres. Et pour le W, c'est un pop-it alphabet popé. Allez, go. Alors, alors, à mon avis, vous devriez les prendre, hein, les récupérer pour regarder de près. Hein. Alors, est-ce qu'il y a l'alphabet sur celui-là, Swan? Il y a l'alphabet sur celui-là. Eh ben, regardez, quelle est la lettre qui est popée? C'est V. C'est W. Swan, t'as regardé celui que t'avais dans les mains avant de le rejeter? Le combat. Le combat pour l'attraper. Qu'est-ce qui est popé là-dessus? Je crois que c'est W. Eh ben voilà. Ouais. C'est bon. Mais non, mais c'est pas possible. C'était celui-là. C'est le chapeau de Père Noël. On passe à la lettre X. Donc là, pareil. C'est un pop-it alphabet qui est popé. Non, X, pas Y. Oui, 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 c'est popé X. Mais t'as pas gagné des points là, c'est pas possible. Oui, là il est en train de se rattraper là. C'est bon pour Swan. Alors, maintenant. Ouais, attends, je vais pas te donner le signe du départ, on se calme. Et effectivement, c'est parti pour le Y. Stop. Alors, qui est-ce qu'il est là? Il est là. Il est là, effectivement, c'est Yoda. Et Swan, il en reste encore un. Le Y, c'est bon. Non, c'est Z. Pourquoi on se colle là, bizarrement? Je sais pas, c'est bizarre. Attends, on fait le départ un peu plus loin. On se met là, la voilà. La bataille posée. Totale. Alors, attendez. Bon, vous êtes positionnés là, c'est bon? Allez, 3, 2, 1, top, lettre Z. Oh, Léo. Non, mais t'as arrosé la caméra, on vous voit plus. Oui, si. Ah, mais t'as eu, c'est ballot, hein.
Ça tourne pas tant qu'elle est pas sur le bon flamme. Et voilà. L'heure est venue de faire les comptes. Tu vas gagner. Allez, suspense. C'est parti. Allez, c'est le grand moment. Du coup, pour la lettre A, on avait l'avocat pour Swan, donc un point pour Swan. Et pour Néo, l'ananas. Et voilà, donc là, vous étiez égalité, yes. Un partout. Pour la lettre B, Swan avait trouvé la baleine et Néo avait trouvé biberon. Le biberon. À nouveau, un point chacun. Pour la lettre C, le crocodile et le chat. Et en fait, les deux ont été remportés par Néo. Pour la lettre D, il y avait le fameux dinosaure Godzilla. Et moi, j'ai le diamant. Et le diamant pour Swan. Donc là, c'était un point chacun. Pour la lettre E, l'éléphant pour Swan, l'escargot pour Néo, son animal totem. Oui. Encore un point chacun. La lettre F, on a un flamant rose pour Swan et des frites évidemment pour Néo. Pour la lettre G, encore une égalité parfaite, la glace pour Swan, la grenouille pour Néo, encore un animal totem pour Néo. Pour la lettre H, le hamburger pour Swan, étonnant. Ouais. Et le homard pour Néo du coup. Pour la lettre I, c'est Swan qui a retrouvé l'ovni Poppy sur la lettre en question. Bien joué. Pour la lettre J, c'était le jus et il n'y a que Néo qui l'a trouvé. Pour la lettre K, on avait de nouveau un alphabet Poppy sur la lettre et du coup c'était la guitare et c'est Néo qui l'a retrouvé. Pour la lettre L, on avait le lama pour Néo et la belle licorne pailletée pour Swan. Pour la lettre M, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un lancé de Swan? Rien. On en était à la lettre N donc, avec Mickey pour Swan et le mouton rose pour Néo. Pour la lettre N, il y en avait deux, il y avait le nuage et le nœud et c'est Néo qui a trouvé les deux. Bien joué. Pour la lettre O, c'est l'ourson géant et c'est Swan qui est allé le plus rapidement le retrouver. Pour la lettre P, on a Pikachu pour Néo et la pastèque pour Swan. Encore égalité sur ce coup-là. Pour la lettre Q, c'était le chiffre 4 et c'est Swan qui l'a trouvé le plus vite. Pour la lettre R, Néo a retrouvé le raisin et Swan a retrouvé le rond. La lettre S, c'est un doublé de Néo, le Swan, le cygne en anglais, et le Spider-Man. Bien joué. Pour la lettre T, cette fois-ci, c'est Swan qui a le doublon avec la tortue et le Tetris, même si le Tetris n'était pas trop chaud. Ouais, ouais, mais c'est pas évident. Hein. Ouais, c'est bon, c'était un Tetris. En tout cas, Swan l'a trouvé. Pour la lettre U, c'est le chiffre 1 et c'est Swan qui l'emporte. Ouais, chance. Pour la lettre V, c'est la voiture et après un combat acharné, c'est Néo qui l'a récupéré. Pour le W, il fallait retrouver l'alphabet popé sur la lettre et il s'agissait du chapeau de Père Noël. C'est Swan qui l'a trouvé en premier. Pour le X, c'était également une lettre popée, c'était le carré et c'est encore Swan. Pour le Y, c'est le retour de Néo. Hey, Yoda. C'est Yoda. Pour le dernier, le chiffre 0, il est à qui? Il est à moi normalement. Je sais pas, il y a bataille parce que normalement il est à toi mais il était chez Swan. On fait un chiffre mieux pour savoir à qui il appartient. Yes, c'est bien, let's go. Yes. Bon, allez, un point. Swan, 19 points pour toi. Oh. Pas mal. Pas mal, Swan, pas mal. Du côté de Néo, 5, 10, 15, 20, 22 points. Pas mal, Swan, pour pas mal. Néo. Yes. 3 points d'avance. Victoire de Néo. Yes. Bien joué. C'était serré, mais c'est Néo qui l'emporte. Bravo. Yes. Prêt à récupérer ton cadeau? Trop chaud, là. Merci. Oui. C'est cool ça. Oh, c'est un sweat under center. Combien ça? Trop stylé. Attends, je vais voir si je me souviens des noms. Ok, alors c'est parti, Swan et connaisseur. Alors t'as Kiroa, Gon, Kurapika, Yo-Yo. Oula, le connaisseur, attention hein. Alors t'as Isoka aussi et Kuroro. Oh. Ah bah dis donc, c'est une bonne mémoire quand même hein. Ouais, j'avoue Swan, bonne culture hein, il se rappelle bien. Ah bah trop content, il est trop stylé en plus, vous avez vu les manches? Il est incroyable, il est magnifique. Ça va, s'il te plaît? Il est incroyable, j'adore. Si j'ai un cadeau, te donne cet icon. De quoi? Non mais il essaie de me soudoyer. Non mais... C'est négocié. T'as perdu. Eh oui, le cadeau, il est pour Néo. Yeah, trop stylé. Ça va, t'es content, ça ah te ouais, plaît? Hyper content là. Bon bah super. Comment vous avez trouvé ce challenge? C'était trop bien. Très bon challenge, ouais, j'ai gagné. Yeah. C'est ça le principal. Swan a perdu et il dit quand même c'était trop bien. C'est que ça devait vraiment être trop bien. Je vous c'est incroyable parce que Swan perd, c'est pas la même chose d'habitude. Hein. Il y a Tsunami, etc. On doit tu tout sais, faire tout le monde. Après. D'accord, il me semblait aussi. Ok. Bon, en tout cas, on espère que la vidéo vous aura plu. Pensez aux pouces et surtout, bisous. Zola. Bye tout le monde. Plein de bisous. Bye bye. Yo tout le monde, on est trop content de vous annoncer que notre nouvel agenda et notre nouveau cahier de texte sont disponibles dans toutes les librairies. Et vous pouvez aussi retrouver le nouvel agenda Sophie Fantasy, toujours aussi girly.